O.J. Simpson, le joueur star de football américain, a été relâché hier après 9 ans d'emprisonnement. Si l'on se rappelle d'O.J. Simpson, c'est pour ce que l'on appelait en 1995, le procès du siècle. Accusé d'avoir tué sa femme et un homme qui se trouvait avec elle à ce moment-là, il avait été acquitté grâce à son équipe d'avocats, dont faisait partie Robert Kardashian, le père de Kim. C'est quelques années plus tard, en 2008, que l'ancien footballeur avait été condamné pour vol à main armée. Accusé de kidnapping et de vol à main armée, il avait écopé de 33 ans de prison et vient de sortir de prison en liberté conditionnelle après en avoir purgé 9. C'est sur les coups de minuit, le dimanche 1er octobre, que O.J. Simpson, 70 ans, a quitté le pénitencier de Love Lock à La Vega. Une heure choisie, afin d'éviter les médias et les manifestations des détracteurs de l'ancien sportif. Le département des peines du Nevada, dans le but d'assurer la sécurité publique et de réduire le risque d'incident potentiel, a libéré Oriental Jim Simpson, dit à 1 027 820, le 1er octobre 2017 à 0h08 de la prison de Love Lock, peut-on lire sur le compte Facebook du département. Ils ont même accompagné le tout d'une vidéo où l'on peut voir l'ex-star du football américain faire ses premiers pas d'homme libre.